ass. There she goes, shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm a superstar. Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Et donc celui-là on l'a attendu hein. Et franchement ça fait très plaisir de pouvoir se lancer dans ce Let's Play. Donc voilà, donc on est dans le menu, alors même si bien sûr j'avais dit le jeu c'est en japonais parce que la version française va sortir seulement à la fin de l'été je crois, mais on peut voir directement qu'on va tout de suite se lancer dans le mode Legend Log, pardon, qui est le mode histoire, donc c'est parti. かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一ミリも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。 俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。砲を張れ。出発だ。そして少年の冒険は 10年後のこの場所から始まる。 10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。 かくして、モンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊、赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そして、いつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのは、とある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは、 海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて2人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィは コビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。でまさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。 お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて
俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ノロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、俺はゾロを仲間に引き込む。ただじゃすみませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。Allez, voilà, c'est bon. Donc on est enfin parti, premier chapitre. Hein. Même, de toute façon, comme je l'avais dit, je vais tenter de faire une traduction. Hein. Je vais tenter, ça risque d'être long, mais je vais quand même tenter. Mais de toute façon, on a à peu près tous compris ce qui se tramait. Luffy part pour être seigneur des pirates, et bien sûr, il doit récupérer un équipage. Et le premier à rejoindre son équipage, c'est bien sûr Zoro. Allez, c'est parti. On est lancé. Ah, ça fait plaisir là. Donc, bien sûr, je suis sur PS4. Hein, voilà, comme ça c'est dit. Je trouve que graphiquement, c'est quand même légèrement plus beau. C'est pas vraiment plus beau, mais. Je sens que les personnages. Ah, c'est bien ça. Un petit peu de level en plus. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas encore tous les mouvements en plus. Voilà, de toute façon, le boss est là. On peut le loquer avec L2, ça a changé. D'habitude, c'était le bouton R3, je crois. Ou L3, je crois, je sais plus. Ouais, les combos sont plus beaux. Et puis on voit maintenant, il y a des grandes marques. Là, vous voyez des petits kanji là qui apparaissent. Pour rendre l'aspect manga encore plus... Attention, on recule. Voilà, toujours les mêmes systèmes. Voilà, on peut... Lorsque le boss est assommé... Enfin, là, c'était pas un boss. Voilà, tac, de l'argent. Ah, salut Zoro, attends, je te libère dans 2 secondes. やりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし、行ってくれ。C'est un peu drôle là, c'est vraiment c'est Zoro qui est un petit peu à son insu et rentré dans l'équipage là. Ouais, donc ok, donc de toute façon, ce qui est bien dans le jeu quand même. En termes de gameplay, c'est qu'on voit tout de suite les objectifs, vous pouvez les voir. Ah, ça c'est pas mal, ça. On peut assommer l'adversaire avec ça. Ah ok, ça c'est un tout petit truc à prendre. Voilà, ça c'est bon. J'ai gagné sur cet endroit-là.
Tiens, j'ai vu, voilà, on peut aussi maintenant faire ça. Ça, c'est un nouveau mouvement qu'ils ont mis. Lorsqu'on a locké un adversaire, on peut comme ça marcher un petit peu autour de lui. Voilà, ça sert à rien là. Voilà, là c'est bon. On peut y aller, c'est bon. On est déjà à 400, on est presque déjà à 500 KO, là c'est vraiment pas mal. Ça va beaucoup plus vite que dans les anciens One Piece Pirate Warrior. Alors on va en bas. Puis surtout je trouve qu'il y a moins de... Ah, il y a un petit peu de clipping là, on le voit, tac. T'es KO toi. Oh, des oranges, ça c'est bon pour moi. Ah c'est bon, j'avais pas vu que c'était ouvert. Ah ça c'est bon, ça qu'est-ce qu'il va y a dedans? Ah je sais pas, tiens, là il y a des armes. Ah oui, je sais. Je sais ce que Luffy essaye de récupérer. Il essaye de récupérer les katanas de Zoro. Vous avez vu en bas, il y avait marqué 3. Et comme on sait, Zoro, c'est un bretteur avec 3 lames. Donc, où il veut Jai? Parce que là, il y a 3 minutes. Ah, il y a Nami. Alors, attendez, où je vais? Ok, donc, attendez, je crois savoir où il faut aller. Voilà, attendez, je le mets KO celui-là. Bon, en fait on a compris parce que là c'est ce qui est bien quand même avec le japonais, c'est qu'en fait on comprend juste avec quelques petits mots. Ah mais attendez, c'est super bizarre. Attends, il faut que je me rende là-bas. Attendez. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai perdu du temps en fait, il fallait que je regardais sur la carte, j'avais pas très bien saisi. À mon avis, je crois que Nami a récupéré une carte. A récupéré la carte de Grand Line, mais elle a marqué, elle l'avait dit. Il y avait marqué sur la carte qu'elle appartenait à Baggy, le clown, qu'on va bientôt rencontrer à mon avis. Putain, il y a du people là. Allez, poussez-vous. Ok, là je suis presque là. Voilà. Mais en fait, les sabres, les 3 sabres de Zoro, je les ai récupérés en même temps. On se souvient, là, c'était une petite liasse de sabres. こんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。
あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。 C'est bon, Zoro est avec nous.Elle était superbe cette scène, hein. Je suis content là qu'il l'ait faite en... Alors normalement maintenant on a accès justement à une sorte de nouveau mode Fury où on va avoir notre allié qui va pouvoir en fait faire des combos en même temps que nous. Ah tu m'as eu.Ah, j'aime bien ce combo là.Et j'avais oublié son nom au mec qu'on voyait là avec la mâchoire en métal, c'est le commandant Morgan. Je suis carrément, je vous jure, là, pendant la petite pause, là, pendant la cinématique, je suis carrément allé vite chercher un tome de One Piece pour aller rechercher son nom. Enfin, c'était pas un tome, c'était un livre d'information sur One Piece. Mince.Ah bah attendez, je peux tenter la technique spéciale là. Elle fait mal là, 153 KO direct. Voilà, c'est bon. Ok, mais t'inquiète pas, je sais à peu près jouer au jeu.Ah oui, à la vache, avec un allié comme ça, à chaque fois que je termine un combo, il y a Zoro qui arrive pour me faire un truc spécial. Donc de toute façon, la fin de ce chapitre, ça va être le combat contre le commandant Morgan. Je sais pas s'il est commandant, il est lieutenant, je sais pas exactement, c'est ça le problème.En tout cas, c'est destructeur. Alors, avec Zoro en même temps dans les combos. Voilà, ils sont plusieurs. Là, je vais leur lancer une technique spéciale. Attention. Ah ouais, mais c'est énorme. Est-ce qu'on va avoir le droit à ça, par exemple, pendant des combats de boss? Ça pourrait faciliter la chose, hein.Ce qui est surtout bien, c'est qu'ils ont représenté les personnages qui étaient un petit peu plus secondaires. Là, par exemple, Kobe. Je sais pas, par exemple, si on va l'avoir. Je crois qu'on a vu des images de Kobe quand il était un petit peu plus grand. Donc je pense que peut-être qu'il sera jouable, le Kobe grand, c'est-à-dire quand il a atteint le rang de vice-amiral. Ah, bien joué. Mais moi, j'ai une technique spéciale.Ah, ça monte vite, hein. Level up. Ah, déjà 2000.
tout cas, elle est très bien faite, la base, hein. Ah, le commandant Morgan. Oh bah là, je l'ai appelé commandant. Ah oui, il fait mal, hein. Zoro, là, ils mettent bien. Toi, je te laisserai pas faire ton combo. Voilà, attends. Voilà, moi aussi je peux passer en mode. Voilà, en mode ultime. Ah non, mais c'est énorme là le coup qu'on vient de faire là. Attention à lui. On peut bien. Attention, il va lancer son attaque spéciale. Voilà, c'est bon, là je l'ai bien pris. Voilà, attention, je m'éloigne 2 secondes. Voilà, j'ai combo. Normalement, il est bientôt KO. Ah, et en plus, j'ai gagné une pièce. シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、 本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん。君も仲間じゃないのか。え？僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ君たち。本当かね？ 俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。 やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざと僕にけしかけて殴らせて。
また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。Bon, c'était le premier niveau, hein. On a fait triple S. J'ai gagné un petit peu d'argent, voilà, level up. J'ai gagné un nouveau combo, qu'est-ce qu'on a gagné d'autre ? Ouais. Ah, je gagne des jetons, alors à mon avis, j'ai pas gagné, parce qu'on pouvait voir au dernier jeton, là, il y a un fruit du démon. Et à 80%, il y a une nouvelle épée. On a quand même... Il y a quand même Nami qui apparaît dans le truc. Ouais, et là je commence à obtenir... de toute façon, comme dans l'ancien One Piece, hein, on obtient tout de suite des petits trucs pour améliorer son personnage. Voilà, compris. Ouais, attendez, ça c'est... à mon avis, il me propose de sauvegarder, donc là, ça va être ça. Non. Ok. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que ça se fait plus de la même façon. J'ai l'impression que c'est plus nous qui devons choisir quelles pièces on met les unes à côté des autres. Moi j'aimais bien ce truc là dans... Je me souviens dans One Piece Pirate Warriors 2, là j'avais fait... Je m'amusais vraiment à customiser mon personnage comme ça.